Un sur un prison? Ouais. OK. Un quoi? Un sur un prison. Un sur un prison? Refais-la, il faut qu'elle se ferme vraiment, c'est ça. OK. Un sur un prison. Clap! Интересно. 저는 무슨 말 해야 될지도 아무것도 모르겠습니다. 팀코인 더 사라서 네 기만 바로 바게 줄래 보셔 기회 함 تعریف کنم. نه بو استوره تنات اسپشیال. داستان من خیلی طولانیه. نمیدونم از کجا شروع کنم. D'accord. Je vais vous raconter mon histoire. Ça va Sergio. Ça stresse pas trop. Je vais t'expliquer comment ça va se passer. Imagine qu'on est juste toi puis moi. C'est comme si on se parlait. Je veux pas que t'aies peur de faire des erreurs de français. Je vais te poser des questions sur ton pays, sur le Québec, sur toi. Comment tu te sens ici? Vraiment pas de stress. D'accord? Je viens de la Moldavie. Je viens de l'Égypte. Je viens du Brésil et j'ai 14 ans. Je viens de la Colombie. Je viens de la Corée du Sud. Je viens du Vietnam. Je viens de Saint-Vincent, c'est dans le Caraïbes, si vous ne savez pas. Je viens de l'Iran. Et ça fait un an et demi que je suis au Québec. Je viens de la Syrie. J'étais au Canada depuis 5 mois. Je viens de la Chine et ça fait un an que je suis ici au Canada. Avec qui tu as immigré au Canada? Ben, j'ai immigré au Québec avec toute ma famille, ma mère, mon père et ma sœur. On est 4. Puis est-ce que vous connaissiez des gens déjà au Canada? Non, on était seuls. Ouais. Personne vit au Canada. Je suis ici avec ma mère. Et mon frère et mes frères sont à la Moscou, c'est à Russie. Puis ton père est resté en Égypte? Non, il est en... C'est Terre-Neuve. Parce qu'il travaille là, parce que, oui, il ne parle pas français, alors il ne peut pas être ici, à Montréal. J'ai immigré ici avec ma soeur, mon frère, qui sont des jeunes, comme ma soeur a 6 ans, mon frère a 9 ans, ma grand-mère, elle est vieille, mais elle est venue ici pour nous. J'ai immigré avec mes parents.
Et mon tablette. Et qui? Mon tablette. Ton iPad? Ouais. Pour une première ou deuxième fois. Pour commencer la question du jour, si je te demandais de décrire ton pays en un mot, ce serait quoi? Familial. Sécurité. Touristique. Oh, j'ai choisi le mot paysage. Ouais. Mon pays, c'est la famille. Famille. Et pour décrire mon pays, j'ai utilisé le mot tropical. Des tissus qui peuvent être transformés selon ce que vous avez besoin de faire. Vous pouvez parler dans votre langue quand vous allez présenter. Вон он до порта вызывали. С хлеба. L'équipe à la fois, vous allez venir ici, vous dites la tradition de l'Iran. Vous faites la tradition, puis après on en parle. Ça va? Première équipe pour commencer. L'équipe de... de théâtre dans 3, 2, 1. آغاز سال 1394 دیری 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 ارباب خودم سامن امریکا ارباب خودم چشمش باز ارباب خودم الله اکبر تکبیرات الاحرام الله اکبر الله اکبر Est-ce que tu peux me dire comment ça se passait l'école dans ton pays? Les bons élèves sont au premier jusqu'au cinquième ligne et les autres sont en arrière. OK. Donc les meilleurs élèves sont en avant. Toujours. Toi, tu étais dans quelle rangée? À 12e. Tu es un bon élève. Et comment ils sont, les professeurs en Chine? Elles sont bonnes et gentilles. Parfois gentilles. Pourquoi parfois gentilles? Parce qu'il y a un élève dans ma classe qui est très méchant et elle le frappe. Elle le frappe? Mmh. Avec une tête. Qu'est-ce que tu fais? 徐光如果新检查再把你爸爸叫来。
si on n'a pas fait le devoir, le professeur va sauter. Saute. Saute? Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Colère. 又没有写作业是不是啊？去网上补去，补完再上课。很好。 En général, en Iran, les écoles sont séparées des garçons. Les filles dans une autre école et les garçons dans une autre école. Le matin, quand on arrive, chaque classe doit faire à son ligne dans le cours de l'école. Puis, à chaque semaine, on chante la chanson Nationalité d'Iran. En Iran, il n'y a pas un pupitre et chaise pour toi-même. Il y a un banc avec un sous-pupitre. On s'assoit deux par deux. Les filles, on n'avait pas le droit d'enlever notre voile qui était sur nos cheveux parce qu'ils disaient que non, non, tu ne peux pas le faire. C'était difficile, oui, c'était très difficile pour nous d'étudier là-bas. L'école en Iran, c'est un peu comme prison. L'école que j'étais, dans toutes les classes, il y avait deux caméras. On ne pouvait pas faire rien, rien du tout. Et parfois, les enseignants sont méchants. Comment s'appelle les petites choses blanches où j'ai écrit dans le... Cré. Cré? Oui. Et puis lancer en toi le cré. Et si tu n'es pas écrit très bien, il peut déchirer le feu et lancer en toi aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de choses comme ça. Toi, est-ce que ça t'arrivait que le professeur te lance une cré? Une fois, deux fois, oui. Oui? Dans mon pays, on ne peut pas avoir du maquillage. Et on ne peut pas avoir des cheveux comme ça. On doit toujours avoir des cheveux attachés. Au Québec, ici, c'est vraiment bizarre que les professeurs soient amicaux avec toi. Ça m'est vraiment un peu douce, n'est-ce pas? Tu peux devenir les amis entre les professeurs et les étudiants. C'est vraiment bon. Tu ne stresses pas comme toujours, on m'a dit « C'est encore ce professeur, non, j'ai pas fait mes devoirs. » Est-ce que tu es moins stressée à l'école ici qu'à l'école en Moldavie? Oui, vraiment. Alors, on prend une nouvelle feuille dans votre cahier, une page qui est inentamée. On va écrire un souvenir et on va nourrir le souvenir par ce que ça sent, ce que ça goûte, donc tous les sens, les cinq sens. Et là, j'ai envie qu'on se fasse ce qu'on appelle une banque de mots. Alors, pour le toucher, on va lever la main puis on va écrire tous les mots que vous aimez. Vous pouvez en ajouter d'autres. Oui. Sèche. Quelque chose de sec, très bien. Donc, on peut dire, par exemple, la main. Une main peut être moite. On peut serrer la main. Avez-vous déjà entendu ça, une main moite? Oui, très humide. Très humide, exactement. Une main humide ou une main sèche, comme tu as dit. Donc, une main sèche, une main seule, une main humide ou moite. Quoi d'autre? Fin, délicat. Oui? Velure. Velu? Quelque chose de velu, hein, avec du poil. Excellent. Velu. La fourrure. D'ailleurs, je vais écrire fourrure aussi, hein. Fourrure. Quoi d'autre? Oui. Laine. La laine. Très bien. La laine. Hein, puis des fois, mettons que dans votre souvenir, c'est la laine qui a été tricotée par votre grand-mère. Puis des fois, c'est doux. Parfois, ça pique. C'est pas toujours confortable. Oui. Comment? Je vous avais demandé d'apporter pour aujourd'hui un objet qui est significatif. Que vous ramenez de votre pays? Ça, c'est le symbole de la chance. Ça, c'est une statue d'un roi iranien. Pour moi, ce sont des cartes de mes amis. Ça montre le sentiment que mes amis ont envers moi. C'est le cadeau que ma grand-mère m'avait donné pendant le dernier nouvel an que j'étais en Iran.
Ma meilleure amie m'a donné Teddy Bear quand j'étais à l'aéroport. Et je n'avais pas de place pour mettre Teddy Bear dans mon bagage. Donc j'ai pris de mes mains. Et j'étais toujours avec ce Teddy Bear pendant que je volais. Rien de tout. Absolument rien. Donc, ce que je vais te demander, c'est de fermer les yeux puis de me dire qu'est-ce que tu imagines quand tu penses à ton pays. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? S'il y a des odeurs? Tout ça. Je vois ma grand-maman. Je vois bleu, parce que le drapeau d'Israël, c'est bleu. Et je suis dans la mer, puis sur la plage avec mes amis, puis on mange et... Oh, j'ai oublié comment ça fait ça. Et Malawa. Ma maison, la plage, le carnaval. Les élèves qui jouent de soccer, mais sans les souliers. Je pense à la musique jouée en live, dans la plage, les soirs, quand le soleil se couche. Cielo se hace gris, yo ya camino bajo la tormenta. Tous mes amis sont là et parler arabe. Je vois ma famille et c'est ma grand-mère qui cuisine. Je suis assis sur le gazon avec ma grande famille. Nous sommes très heureux, nous sommes en train de manger le dîner. Nous jouons. Un jeu s'appelle saute-mouton. Ouais. Ha sido un buen amigo y compañero. Y aunque no éramos tan amigos, te extrañaremos mucho. Que tengas un buen viaje. 그래도 짧은 기간 동안이라도 반장하느라 수고했고, 그동안 내가 많이 때려서 미안해. 이렇게 끝까지 함께 보내지 못해서 엄청 아쉬워. Je vois les voiles sur la tête des femmes. Je vois ma tête sans cheveux parce qu'en Iran, les garçons n'ont pas le droit d'avoir les cheveux très longs. Je vois moi avec mes quatre meilleures amies, Anna, Luba, Dana, Nastya. Et nous sommes ensemble. Et je vais à mon école. Nous entrons à cette école. Nous sommes ensemble. Yo sé que aún estás a tiempo. No soy quien en verdad parezco. Je suis à côté d'un mur et je suis en train de pleurer. Je suis pas contente et la seule chose qui est dans ma tête, c'est Est-ce que je peux partir de ce pays? Et si je pars de ce pays, est-ce que les choses vont être différentes? Est-ce que ma mère elle va être finalement contente? Est-ce que moi, je vais être finalement contente? Quand tu étais en Corée, tes parents t'ont dit « on s'en vient au Canada ». J'étais demi-contente, demi
nerveux. J'étais en train d'avoir beaucoup de bonheur avec mes amis. Mon père dit on va déménager et ça me fait un peu mal. Mais il y a beaucoup de belles filles ici alors. Il y a beaucoup de belles filles, donc ça t'a consolé. Quand ma mère a dit qu'on va aller au Canada, j'étais comme « Oh, le Canada, oh, il a de la neige! » Et je suis contente et un peu triste. Et j'ai pleuré aussi. Ouais. J'étais content. Ouais. OK, whatever. Vraiment, c'est léger, là. Ouais, ouais. Mais pour vrai, t'étais content. Ouais, parce que beaucoup vous dites demi-content, demi-triste. Non, ben, j'étais content. Pourquoi t'étais content? Parce que j'étais pas content là-bas, donc j'ai pensé au changement, donc. Est-ce que tu sais pourquoi tes parents voulaient immigrer au Québec? Parce que ma mère voulait pas que je fasse l'armée. Il voulait pas. Puis elle était vraiment... Parce qu'elle regardait qu'est-ce qu'il y en a à Israël, toute la guerre et tout ça, il voulait pas ça. Elle a décidé qu'elle veut qu'on déménage au Canada, parce que c'est plus tranquille ici. Puis c'est plus bon pour le travail et pour moi aussi. Avant, on avait notre roi. C'était comme tout le monde était libre. C'était comme Canada, mais c'était juste le nom de l'Iran. Mais quand le roi est allé, comme il y avait autre personne qui est venue, comme tout a changé. On n'avait pas de liberté de faire tout ce qu'on voulait. C'était différent. Beaucoup de gens ont été tués par les policiers. Et je préfère de ne pas dire. Tu veux pas parler de ça? Oui. Je veux que l'Iran reste un beau pays dans les têtes. Oui. La guerre était le plus difficile. On peut pas sortir de la maison. On doit rester dans le corridor. Moi, quand je vais au Syrie, je dors chez ma grand-mère et je dors dans la place qu'on mange parce que c'est comme il y a un grand mur, donc c'est bien, it's safe. Mm-hmm. Mais les autres chambres sont pas safe. Deux, trois. 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est beau tout le monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 2, 1. Regarde la personne encore. Vous retournez de dos. 3, 2, 1. J'ai quelque chose d'important à t'annoncer. 2. Issue. What? Regarde-moi, c'est important. Maman, je suis occupée. C'est important. Nous allons déménager au Canada. Chut! Quand j'ai su que j'allais déménager au Canada, je me sentais triste. J'avais peur de perdre ma famille et mes amis. J'étais déchirée entre le désir de rester dans mon pays ou partir au Canada. Tu n'as pas le droit de faire ça, maman. Je connais personne au Canada. Maman, tu as rien à dire pour moi. Je suis au Canada, je ne suis pas. Et grand-maman, on part sans elle, et mes amis, et mes cousins, mais fais jamais nous finir de haram. On ne parle pas ma langue au Canada. Comment je vais comprendre et aller à l'école? Je ne sais pas si je suis au Canada, maman. Et pas nous, on va rapporter cette école. Pourquoi tu me fais ça, maman? Tu auras une meilleure vie au Canada. Je n'avais pas de choix. Je ne pouvais rien dire. Je devais partir. Partir. Je ne savais pas être content ou triste. J'ai retourné dans ma chambre puis j'ai commencé à penser à mon enfance, à mon adolescence, à tout ce que je dois apporter. Je pensais à ce que je dois dire à mes amis. C'était quand même un moment épouvantable. Ou insupportable.
J'ai commencé à pleurer parce que je pensais comme c'est tout, comme c'est fini, je prends mes choses et c'est tout, comme je dois m'ennager. Et ma mère a jeté comme toute notre chose dans le poubelle parce qu'on voyait le poubelle et comme c'était vraiment comme beaucoup de choses et c'était nous. Et moi, je voyais un peu de photos de nous par terre. Moi, je regarde ça et je voyais mon dessin aussi dans le poubelle et moi, je, comme c'était vraiment triste. J'ai un journal. Que dans celle, j'écris des événements importants dans ma vie. C'était celle-là que et je voulais vraiment la porter pour écrire encore. J'étais vraiment excitée. Moi, toutes mes amies m'ont dit « Bonne chance, tu vas être bien. Ne pense pas trop, tu vas être bien. » J'étais excitée. Belle fille. C'était la seule chose dans ma tête. Quand ma soeur m'a dit sur la selle que je vais déménager au Canada, je suis comme vraiment contente. Et la première chose que j'ai demandé, est-ce qu'il parle une autre langue différente? Elle a dit oui. C'est quelle langue? Français. Est-ce que tu veux comme, me dire comme dit je t'aime en français? Et comme elle m'a dit je, après je répète, comme, après je dis je t'aime, et c'est comme oh, je t'aime aussi. J'ai appris ça comme un ou deux mois avant de venir et j'ai dû dire bye à tout le monde. Et j'avais beaucoup d'amis là-bas, beaucoup, j'ai pas eu le temps de dire bye à tous. J'ai un choix, rester avec mon père et mes frères ou aller avec ma mère pour réaliser mes rêves. Donc j'ai choisi aller avec ma mère. Quand je regardais dans les yeux de mon père, il était comme « Si tu veux, tu peux aller, mais je toujours suis contente que tu vas rester avec moi. » Et bien sûr que j'étais déçue, mais c'est la vie. Je me souviens vraiment bien, c'est comme c'était hier. Nous sommes à l'aéroport vers 4 heures du matin. Tout le monde pleurait, sauf moi. Parce que j'étais vraiment heureux. Mon oncle, qui fait des blagues avec ses yeux mouillés. C'est vraiment touchant. C'est ça. Je vais dire plus. Je voyais toute ma famille pour dernière fois, pour toute ma vie. C'est vraiment touchant, impressionnant. Mustapha, Manour, Roshan,
Question du jour. La première chose que tu as fait quand tu es arrivé au Québec. What's the first thing that you've done when you arrived in Québec? Je suis arrivée avec l'avion au Québec et j'ai mangé un croissant. J'ai très fatigué et après nous sommes allés à l'immigration et nous avons resté dans l'immigration 5 heures. 5 heures? Attendez 5 heures. Nous avons pris une comme pour super marché, il y a le, quelque chose comme ça de métallique. Vous savez quand au supermarché, vous marchez avec. Oui, un panier. Ça. Oui, pour valises. Et nous avons beaucoup de valises. Le demi de toutes les valises, nous prenons dans le salon. Ils sont dans le salon avec moi, j'étais comme ça. Les valises prenaient presque toute la place. Oui. Okay. Quand je suis arrivé à une nouvelle maison, j'ai appris le code de Wi-Fi pour appeler. Jouer avec le téléphone. Première fois, j'ai appelé ma grand-mère. Quand je pars, elle pleure. Quand tu parles quoi? Elle va pleurer. Elle pleurait beaucoup. Ouais. Quand vous êtes arrivé, qu'est-ce qui vous vient en tête? Qui ressort le plus de vos, dans vos souvenirs? Qu'est-ce qui vous avait marqué? On est arrivé, on a pris un taxi et je regardais par la fenêtre et je voyais qu'il y a beaucoup de plantes à Montréal, au Québec. En Iran, il y a de pollution d'air. Quand je suis arrivé ici, comme j'étais comme... L'oxygène, j'ai trouvé l'oxygène. Tout ce que je savais en français, c'était je m'appelle Amireza et liberté. Parce que je savais qu'on peut être libre au Québec, au Canada. Pour première fois, j'ai pas enlevé mon hijab. Car un peu, c'est peur et stressé. Et après... D'autant, ma mère m'a dit comme, tu peux enlever, c'est correct, ici c'est Canada, tu peux faire qu'est-ce que tu veux et enlève ça. Et après, j'ai enlevé. Comment tu te sentais à ce moment-là? Relax. Oui. Et dans ton pays, tu portais le voile. Oui. Qu'est-ce que ça t'a fait d'enlever le voile ici? Ah! Enfin! Oui? Oui. Tout le monde est gentil ici, tout le monde. Et dans la ligne d'autobus, on attend. En Israël, c'est pas comme ça, tout rentre comme ça. Quand je marche et quand je vois un policier, j'ai pas peur ici. Mais en Iran, il n'y a pas de confiance entre nous. On n'est pas dans la même side. Tout va bien. Timide. Fatigué. McDonald's. C'est quoi ça? Rien de spécial. Désolé. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que ça a été difficile pour moi? C'est que je n'avais pas ma meilleure amie. On est ensemble 17 ans. C'est comme moi, quand j'arrivais ici, moi je suis comme, elle est où? Comme, elle est où? C'est pas possible que j'ai un jour sans elle. C'était vraiment difficile de comprendre ça, qu'elle n'est pas avec moi. Après les 2 semaines, tu commences à comprendre que tu es ici, au Canada, et tu es très, très loin de tes amis, ta famille. Et tu comprends que c'est tout. Il n'y a pas de chance, les becs.
Ici, il y a beaucoup de choses que je dois penser dans ma tête. Vraiment deep. Comment on dit ça? Profonde. Profonde, oui, c'est ça. Comme quoi, par exemple? Comme l'avenir de ma famille, ma soeur, mon frère. Ma mère est plus fermée. Tu trouves? Qu'est-ce que tu veux dire par fermée? Elle n'a pas beaucoup d'amis parce qu'elle parle ni le français ni l'anglais. Quand je suis arrivée au Canada, je me demandais est-ce que ça serait difficile? C'est toi qui traduis pour tes parents. Oui. Comment tu trouves ça? C'est intéressant, mais c'est fatigant parce qu'il y a parfois trois fois par semaine. Et s'il va à l'hôpital et je dois aller aussi, et je ne peux pas aller à l'école dans ce jour-là. Est-ce qu'au Canada, on serait content? Content? Est-ce que tu as l'impression que ta mère est plus heureuse maintenant? Pas vraiment, parce que elle toujours dit qu'une vie a passé, comme elle a 45 ans maintenant. Elle a fait toutes les choses qu'elle voulait en Iran, donc ce changement est un peu difficile pour elle, pour accepter. Mais elle toujours dit qu'elle est contente pour nous, pour moi et ma soeur, donc sacrifice, je pense. Sacrifice, hein? Oui. Ma mère est infirmière. Ben, fait qu'elle voulait être infirmière aussi ici. Encore. Est-ce qu'elle est infirmière maintenant? Non. Pourquoi? Parce qu'elle doit être à l'aise en français et en anglais. Donc, elle travaille temps partiel. Et elle étudie. Hein. Elle travaille où? Elle travaille au Delarme. C'était très important pour moi d'étudier vraiment beaucoup parce que je voulais que mes parents soient heureux parce que dans 5 ans qu'on a attendu pour venir au Québec, il était très fatigué et quand je voyais qu'il sourit, c'était quelque chose pour moi. Tes parents sont heureux? Je pense que oui. Parce qu'en Israël, il y a la guerre, puis il fait très chaud pour ma mère. Puis ici, il y a de la neige, il n'y a pas de la guerre, il y a beaucoup de personnes d'autres pays. Puis oui, je pense que mes parents sont heureux aussi. Je pense qu'ils sont encore plus heureux que moi. Parce que c'était leur rêve, en fait. Parfois, ils pensent comment ça aurait été si on était resté en Colombie. Mais ils sont contents qu'on soit ici parce qu'ils savent que c'est un meilleur futur. Au début, c'est difficile, c'est sûr. Mais ils savent qu'avec l'effort, on va mieux réussir. En art dramatique. Oui, je ne te connais pas. Rumiana. R-U-M-Y-A-N-A. Rumiana. Ton pays? Bulgarie. Ton nom? Denis. Français? Non. Anglais? Non plus. Ton pays? Moldavie. Tu vas l'aider, Alexandra. Ça fait combien de temps que tu es au Québec? Tu peux traduire, Alexandra. Environ un mois. Un mois.
OK. Et à l'école, ça fait combien de temps? Trois jours. Ça fait trois jours. Bienvenue à l'école. Peux-tu traduire, s'il te plaît? Bienvenue dans la classe d'art dramatique. En école, le premier jour, c'était très difficile parce que je ne comprends rien. Mon classe, accueil 1, il est un bulgare, Nikolai, et c'est facile avec lui. Et après 2 ou 4 jours, je vais en iranien. Oh, iranien. Et après, je vais 2 iraniens. Oh, 2 iraniens. Et après, on a 3 iraniens, 4 iraniens, 5 iraniens, ou 100 iraniens. Et après, je pense que je suis en Iran. Bonjour les élèves. Aujourd'hui, nous avons un nouvel élève. Ton nom? Antonio Ivanov Donkov. Qui avait trouvé ce nom-là, Eric, pour toi? Au premier, c'était Thomas, à cause de mon père. Eric, j'ai juste choisi. Je pensais que c'était d'accord pour mon visage. Oui, mais tu as trouvé ça où comme nom, Eric? Eric, c'était, je pense que c'était sur, dans un film ou dans une télésérie, mais je m'en souviens pas. Avant, je m'en fous sur mon nom. Je pense pas que c'est important, mais maintenant, je manque des gens qui m'ont appelé Shinhu. Je commence à détester le nom Eric. Je me sens pas comme c'est moi. Sortez votre feuille sur la partie du corps. Nous allons la corriger. On va faire une petite révision de vocabulaire. Vous avez étudié votre vocabulaire hier à la maison? Oui, madame. Oui. Une cabine téléphonique, Denis. Qu'est-ce que c'est, une cabine téléphonique? Parle-moi de ce sentiment-là au début. De ne rien comprendre. Quand on rien comprend, on sent vraiment mal. C'est comme personne qui est devant moi. Est-ce qu'il parle avec moi? Ou est-ce qu'il parle pour moi, à moi? Je ne comprends rien. Tout ce que je peux faire, oui, oui. Parfois, c'est difficile. Tu te sens comment à ce moment-là? Je veux mourir. Vraiment? Oui. Parce qu'il n'y a aucun mot que je veux le décrire. C'est comme, tu ne comprends rien, tu ne peux pas dire rien. C'est comme prisonnier qu'ils ont fermé ta bouche. Est-ce que mon groupe nominal, il a une expansion? Rouge. Oui, mais quand j'ai arrivé ici, je comprenais rien. Bravo. Où je suis? Avec qui j'étais comme un peu perdue. Je me sens très, très petite et étrange. Je me demande qu'est-ce que je fais ici. Les gens et tout ça, ma tête, tout. Tu attends français, anglais, c'est quoi ça? Comment je vais parler, comment je vais communiquer avec eux? C'est vraiment stressé. Ça va bien, je suis contente de vous voir. Un changement important.
dans votre vie. Ça peut être physiquement, dans le sens que vos vêtements ont changé, ça, mais ça peut être très intérieur aussi, dans le sens que un côté de votre personnalité a changé. Entrez! C'est le nouveau metteur en scène. T'es chic! Oui, c'est ça que j'ai dit ce matin, t'es habillée comme un stagiaire. Oh, le vase! Oui? Entrez! Entrez! Bonjour! Bonjour! Quand j'étais dans mon pays, j'étais très timide. Je parle seulement avec mes meilleurs amis. Mais maintenant, j'ai pas d'amis. Donc, j'étais besoin de faire des amis. Donc, j'étais plus sociable. Ici, chacun a une limite autour de lui. Mais en Iran, c'est pas comme ça. Donc ici, on a plus une bulle. Ouais. Ici, si quelqu'un te touche, il n'a pas le droit de te toucher. Mais en Iran... Il n'y avait pas une confiance entre moi et la société, les gens avant. Mais ici, il y a plus confiance entre, en général, ma famille et la société. Okay. On marche! Je ne suis pas quelqu'un de trop proche. Soyons silencieux, s'il vous plaît. Donc, stop! Les relations amoureuses. Qu'est-ce qui a changé? Levez la main. J'ai plus de chum que dans mon pays. Je ne peux pas dire parce que si mes parents savent, je vais mourir. Faire l'amour. Les élèves, ils me parlent ça. Qu'est-ce que tu veux pour qu'on comprenne? Répète ce que tu as dit. Hein? Faire l'amour. Oui. Égal sexe. Oui. Parce que les élèves, ils me parlent de ça tout le temps. Les élèves parlent de ça tout le temps ici. Ouais. OK. Au Vietnam, on aurait moins parlé de ça. Oui, mais on parle de ça. C'est un peu agréable ici. Pourquoi? Parce que les tabous. Tabous. Les tabous? Oui, oui, les tabous ici, c'est moins. Comme Iran, je peux pas danser devant les gars. Et ici, je peux. C'est, comment on dit ça, changé pour moi. Comme je peux chanter devant les gars et tout le monde peut écouter mon voix. Tout est changé. La façon que je m'habille est changée. Qu'est-ce qui a changé dans la façon que tu t'habilles? Comme en Iran, je peux pas m'habiller comme je veux. Je m'habille comme ils veulent. Finalement, je peux donner mon opinion. Même si les personnes n'ont pas comme d'accord avec moi, j'ai le droit de donner mon opinion. Et je sais que maintenant, le monde, c'est libre. On peut faire qu'est-ce qu'on peut. C'est comme je sors de prison. Alors, je pourrais peut-être en nommer au hasard. Parfait. Puis on va y aller comme ça. J'ai 9 ans. Je suis devant le mur en briques autour de la piscine de l'immeuble où j'habite. Je vois mes parents qui arrivent de la boulangerie avec du pain frais pour un petit repas du soir. C'est le temps de dîner. Rorma Sabzi. Quand je le goûte, je tombe dans un autre monde. J'ai 12 ans. Je viens d'arriver dans ce monde de froid et de chaleur extrême. Le vent me souffle, les odeurs de cigarettes. C'est dégueulasse. J'ouvre méticuleusement la fenêtre pour que je puisse respirer. Ça sent la terre mouillée et la fumée. Je vois ma tante qui cuisine et mes cousins-cousines qui entourent mes parents et qui leur posent des questions sur notre vie au Canada. Enfin, la journée est terminée. Dans mon corps, je me sens un peu détruit parce que je m'ennuie de ma famille, de mon pays. Je te disais que tu pouvais retourner dans ton pays. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu acceptes? Oui. Tu retournerais pour combien de temps? Pour te pleurer. T'aimerais se retourner dans ton pays? Mm-hmm. Est-ce que tu acceptes de retourner?
Non. Ici, j'ai déjà... J'ai trouvé de nouvelles amies et tout, donc juste visiter peut-être, oui, mais retourner pour toujours, non. Est-ce que tu es déjà retournée depuis 2 ans? Non. Jamais? Puis si je te disais, tu peux retourner pour vivre? Non. Pourquoi non? Oui, je sais pas. C'est pas une ville pour vivre, c'est pour juste faire des batailles, de la guerre. Je pense que si je suis restée trop loin là-bas, je vais devenir folle parce qu'il va avoir comme plein de souvenirs qui va comme boum, revenir. C'est comme je vais exploser en même temps. Tu peux retourner habiter là-bas, là? Ouais. Non, merci. Non. Pourquoi? J'aime aussi. J'ai étudié beaucoup, j'ai fait beaucoup d'efforts. Et maintenant, si quelqu'un me dit retourne en Iran, je dis que t'es fou. Je suis venue ici, j'ai travaillé sans arrêt, j'ai essayé de trouver des amis. Maintenant, quand c'est bon, c'est le temps de retourner. Non? Puis où est-ce que tu t'imagines, toi, dans 15 ans? Ici. Oui? Oui, je vais retourner. Oui? Oui. Est-ce que tu retournerais vivre? Je ne sais pas. Tu sais pas? Mais... C'est correct, hein? Ma famille me manque. Mes grands-parents. Parce que je vis avec mes grands-parents quand je suis petite. Alors, si je te demandais si tu voudrais retourner vivre là-bas? Je pense pas, parce que ici, il y a un bon environnement et. Je sais pas, c'est comme... Moi, j'aime vivre ici. En section, quelle partie votre pays représente pour vous? Quelle partie le Québec représente pour vous? Nous, on est 50-50. Moi, je sais pas. Ukraine, c'est famille. Québec, c'est école et langue. Et Israël, c'est tout. 93, Colombie, c'est la culture. 7% Québec, c'est l'école. À mon avis, c'est toute ma vie. Et Québec, c'est l'école. Je ne me ressens pas vietnamien ni canadien. J'ai hâte d'avoir l'accent québécois. Oui. Dans 15 ans, j'espère que je pourrai avoir un accent québécois. Lala! Je m'en fous, qu'est-ce que tu fais, là? T'es genre... Lundi, mardi, mercredi, jeudi... Lundi matin, je suis allée là-bas avec mes parents. Parents? Moi, là, je déteste ce job-là. Tabarouette. Un vrai latino, il peut pas rouler les R. Il va parler comme ça. Là, Je peux faire des accents, même en français. Si je vais parler un peu plus français de la France, je peux un peu mieux imiter l'accent. Ou si je vais faire
les Québécois, même comme les vieux d'avant qui roulaient les airs au Québec, puis hey, tabarnak, et tout ça. Dans notre vie, il y a des gens qu'on ne connaît pas, mais parfois ces gens ont un rôle important pour nous transférer un message. Mani Soleimanlu est l'un d'entre eux. À Toronto, j'étais pendant quelques temps un Français iranien, ensuite canadien. C'est Kim Thuy, elle est une écrivain. Savez-vous que Kim Thuy, c'est pas son vrai nom? Nguyen Anton. Et pourquoi il a changé de nom? Ben ça, j'ai pas trouvé. Le député Amir Kadir est un homme politique. Ça, c'est son image. Qu'elle est d'origine vietnamienne, parce qu'il y a des doutes dans la salle. Oui, parce que sa mère, elle est vietnamienne, puis elle est une réfugiée. Je vais vous parler après. Bon, t'as compris, moi, là? C'est dur à ne pas perdre l'identité, surtout quand on émigre, on s'amorce une nouvelle vie dans un autre pays. On oublie alors on est qui. À Montréal, je suis un Torontois iranien arabe montréalais qui a vécu à Ottawa et en France. Et aujourd'hui, on me dit, hey mon gars, t'es Québécois. Est-ce que tu penses qu'un jour, tu vas te sentir Québécois? Non, jamais. Je vais toujours me sentir comme en coréenne, mais comme au moins en coréenne qui est adopté au Québec, au Canada. Mais moi, j'ai pas besoin, là. Non. Il y a des gens qui veulent devenir Québécois, mais... Ben, il n'est pas Québécois, puis c'est ça. T'es pas Québécois, t'es pas Québécois. Pourquoi tu veux devenir Québécois si t'es pas Québécois? Est-ce que t'as l'impression que t'as perdu une partie de toi parce que tu es au Québec? Non. Non. C'est la situation qui change, c'est pas moi. Je reste la même. Maintenant, je pense d'une autre façon. J'ai deux façons, iranienne et ici. Mon corps est déchiré entre Iran et le Québec. Ton cœur. Oui, mon corps. Mais en fait, je m'envoie en iranien plus. Au début, j'avais une idée des Québécois. C'était ils ont l'air blancs avec des ils ont l'air blancs et blancs et ils pensent d'une façon. Mais maintenant, je me suis rendu compte que même un Chinois physiquement un Asiatique peut être un Québécois quand tu parles avec. C'est quoi être Québécois? Honnêtement, pour moi, être Québécois, c'est connaître l'histoire du Québec. C'est comme je suis née ici. Si quelqu'un dans le futur me demande « Est-ce que tu es née ici? » Je pense qu'un jour, je vais dire oui. C'est pour ça que je peux mettre beaucoup d'attention sur ces milliers. Pluriel, entre. Bon, maintenant, j'écoute tous les jours la télévision en français. Donc, deux. Pas tous les jours, mais pas loin. Mm-hmm. Écoutes-tu le téléjournal parfois? Parfois. Mais j'écoute plus souvent informel que Je sais que Arthur sera prêt pour aller en classe régulière l'année prochaine. Tu vas avoir de bons bagages, en parlant de bagages. Premièrement, votre fils, il est super. Hein, on dirait qu'elle est un peu surprise des fois, mais je pense que c'est une blague. Oui. Oui. Est-ce que ta mère connaît le système des paliers? Tu sais 1, 2, 3, 4, 5 Tu sais? Tu ne comprends pas. 4 级, tu dois utiliser plus de mots pour améliorer ta note. Et 5 级, tu sors. Ensuite, rapidement, on peut regarder pour art dramatique. Excellent. Mathématiques. 92 seulement.
C'est bon, Fenkai, c'est super. Est-ce qu'il y a des défis pour moi? La calligraphie, principal défi. La lecture, un peu plus aussi. Être en accueil, c'est un gros défi, déjà. Êtes-vous prête? Oui. C'est là, finalement. Il me semble que je te vois t'épanouir un peu plus. Tu sais, en début de l'année, tu étais très, très, très... notre dernière rencontre. Oui, c'est ça. Super plate. Oui. Très renfermée, là. Très, un autre beau mot québécois, plate. Mais tu commences à t'ouvrir tranquillement. Tranquillement. Oui, mais je peux sentir ça. Oui, hein? Il faut que tu mettes l'effort. L'effort, souvent, c'est le temps. Il faut que tu mettes l'effort. Oui, hein? C'est à cause de ça que j'ai quitté mon cours de chanson. De santé, je vous ai déjà dit. Ton cours de chant, oui. Chant. Mais tu gardes l'art dramatique. Oui, bien sûr, parce que c'est un peu important. Moi, je lui suggérais de quitter aussi l'art dramatique, mais elle était comme... C'est sûr qu'avec l'art dramatique, elle travaille beaucoup le français, même les textes. Oui. Et comme, quand on parle toujours ensemble, c'est un peu difficile de comprendre l'accent parce que, et je vous ai déjà dit, le genre. Elle m'est arrivée avec ça une journée. Madame, c'est quoi genre? Tout le monde dit ça en art dramatique. Mais c'est quoi? Mais c'est intéressant d'entendre ça. Et après, tu peux commencer à parler avec ces mots. C'est peut-être québécois. Tu peux être une québécoise. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et si, à quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire. Oui, par courriel, hein, c'est ça. Hein? J'ai quelque chose à vous dire. Oh, mais cette fille se sent mal. Oh, elle a été empoisonnée. Empoisonnée. Madame Chanel, faites bouillir de l'eau. Mais c'est comment? Qu'est-ce qui est le plus positif pour toi d'avoir immigré au Québec, au Canada? En Iran, le bout, c'est qu'on étudie, puis on va aller en université, on va avoir le travail, on va marier, c'est tout. Ici, le but, c'est de bien vivre. C'est de vivre comme on veut. Il y a de la liberté. C'est une atmosphère positive, je pense. Il n'y a pas des choses précises, mais c'est une atmosphère positive. Avant, je pensais que les changements sont toujours mauvais, mais maintenant, je pense que ce n'est pas si mauvais. C'est juste qu'on a besoin de temps pour aimer ces changements. Je pense que dans toutes les choses, il faut trouver une chose que tu aimes. Même si ça a l'air plate, ça a l'air ennuyant, dans toutes les choses qu'on fait, quand on fait l'effort de les aimer, on s'amuse. Je pense à ça souvent, que même si c'est dur d'être loin de ton pays, d'être loin de ta famille, mais c'est possible. Après 2 ans, après quand même 2 ans, ça devient... On est convaincu que c'est ça, c'est vraiment ça. Je pense que qu'est-ce qu'on fait, ce projet, qu'il donne l'importance de connaître les gens. C'est important parce qu'il faut raconter des histoires et des problèmes des immigrants. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre ces problèmes. Donc je pense qu'on doit les aider.
On était vraiment comme tous les accueils, on était ensemble. Tout le monde était heureux, vraiment comme tout le monde a souri, on a dansé, on a exprimé qu'est-ce qu'on veut. C'est une très belle idée de raconter notre histoire. Je sens que c'est moi-même aussi. Ça me fait penser à une famille. On a les mêmes histoires et on peut raconter notre histoire. Et c'est comme une famille. Quand je viens au Canada, je vais au aéroport. Après, je vais chez des amis. Nous, on mange. Est-ce que tu as déjà goûté le poutine du Québec? Oh mon Dieu!